Chers Clawaises, alors que l'année 2023 tire à sa fin, marquée par les moments de réjouissance partagés en famille, pendant la trêve de Noël et de la Saint-Sylvestre, c'est qu'avec enthousiasme que nous tournons la page vers 2024. Certes, l'année écoulée a présenté des défis, tant au niveau national qu'au sein de notre ville. Les enjeux économiques, le climat social tendu et la crise internationale ont eu un impact direct sur notre territoire, touchant nos concitoyens de plein fouet. Face à toutes ces difficultés du quotidien et ces incertitudes, force est de constater que les communes restent le dernier rempart, le dernier secours pour tous nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle, en 2023, nous avons maintenu le cap pour continuer à équiper notre ville. Développer les services de proximité au service de la population. Nous avons investi dans l'éducation en améliorant les structures scolaires et l'accompagnement de nos jeunes pour qu'ils puissent se bâtir un avenir prometteur. Nos aînés n'ont pas été oubliés. Les services de soutien et d'accompagnement mis en place leur permettent un maintien de leur autonomie et de les aider dans leur quotidien. Conscients des enjeux sécuritaires en Île-de-France, nous avons investi dans la vidéosurveillance et les moyens de la police municipale pour renforcer la sécurité des Clawas. L'engagement que nous avions pris avec mon équipe municipale de limiter l'explosion de l'urbanisation subie ces dernières années a été tenu par le vote en septembre dernier du nouveau plan local d'urbanisme qui sera beaucoup plus restrictif. Avec l'inflation, l'explosion de l'énergie, les hausses de salaire des agents territoriaux, certes méritées mais imposées par le gouvernement, et les effets néfastes de la suppression de la taxe d'habitation, ont généré en 2023 des efforts financiers importants pour notre commune qui ont eu des conséquences fiscales sur les foyers clawois. Néanmoins, les perspectives pour 2024 nous laissent espérer maintenir nos investissements et la qualité des services sans recourir à une augmentation fiscale, résultat d'une gestion rigoureuse de nos finances municipales. Nous continuerons ainsi à maintenir une fiscalité en dessous de la moyenne départementale. Mais à l'instant où nous basculons sur cette année olympique, il nous faut regarder vers l'avenir, conscient que le travail est loin d'être terminé et que les attentes sont nombreuses. Nous redoublerons d'efforts avec la ferme volonté de répondre au mieux à ses attentes. Alors en cette période de vœux, je souhaite à chacun et chacune d'entre vous une excellente année 2024, santé, sérénité et joie pour vous et vos proches.